C'est une question d'honneur, de fierté, de légitimité. Le berceau de la tarte tatin, c'est en Sologne. Pour espérer battre le record de la plus grosse tarte tatin, il a fallu retrousser les manches. 30 bénévoles ont pendant 8 heures épluché et coupé en deux 500 kilos de pommes gala. Pour célébrer les 120 ans de la naissance de la fameuse pâtisserie, on n'a pas lésiné sur les moyens. C'est un moule de 3 mètres de diamètre et qui pèse 730 kilos. Rien que le moule. Avec le couvercle ? Avec le couvercle, oui, tout à fait. Et ce n'était que la première opération, environ 2 heures. La deuxième opération, c'est de poser la pâte sur les pommes cuites. On remet le couvercle, on ferme le couvercle hermétiquement. On remet la braise sur le couvercle pour cuire la pâte. Et on remet également sur le feu pour caraméliser les pommes. Pour réaliser toutes ces étapes, il y a les maîtres du feu. Ce sont les agents de la commune de la Motte-Beuvron. Ils ont utilisé 3 essences de bois recyclées. Du bouleau, parce que le bouleau se consume très rapidement et fait de la braise pas mal, du chêne et de l'acacia. Après 1000 précautions et après 3 à 4 heures de cuisson, c'est le moment fatidique, l'instant de vérité. Les cœurs battent la chamade, c'est le retournement. On avait fait un léger raté l'année dernière de quelques kilos. On l'avait raté au retournement. Cette année, les équipes avaient répété, s'étaient entraînées, donc on était plutôt dans les bonnes dispositions. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant ? La déguster. La Motte-Beuvron faisait de ce record de la plus grosse tarte tatin un emblème de sa reconnaissance et de sa légitimité. 308 kilos, le goût de la victoire. Bien caramélisé. À la distribution.